Je vous explique, là on rigole plus, là je parle sérieusement. Moi j'ai des connaissances en médecine, en biologie, en chimie, des trucs que toi tu connais même pas. T'as vu, quand t'entends biologie, chimie, tu sais même pas c'est quoi. Moi j'ai des connaissances dans ça. Ça t'apprendra un jour si tu vas loin dans tes études. Moi j'ai des connaissances dans la médecine, ça veut dire tout de suite, toi t'es malade. T'as des symptômes, t'as mal à la tête, t'as dit non? Oui, un peu, ouais. T'as mal au ventre. Un peu, Ça ouais. c'est des symptômes de Covid, mal à la tête, mal au ventre, diarrhée, symptômes de Covid, ça veut dire. J'ai pas la diarrhée. Oui, mais c'est pas grave, tu vas peut-être l'avoir. Mais écoute, moi, je peux te faire faire un test Covid tout de suite. Parce que j'ai. Attends, 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 attends. Depuis quoi t'es J'ai des médecin, connaissances que toi tu n'as pas, je suis en train de te dire. Tu préfères aller à l'hôpital? À l'hôpital, ça fait mal, hein? non? Dites-lui qu'à l'hôpital, ça fait mal les tests. Moi, je peux te faire faire un test tout de suite. Demande une réponse si t'es négatif ou positif. Et négatif, c'est quoi? Et c'est quoi positif? Bah, négatif, c'est que tu l'as, pas positif, c'est que tu l'as. À l'hôpital, si tu vas, ils vont te défoncer. Peut-être j'allais dire un gros mot. Ils vont te hagard le nez. Tu comprends? Bon, ça, Hagan, ça veut dire quoi, Hagan? Écoute. C'est pas drôle, mais ils vont te faire du mal si tu vas à l'hôpital. Ok? Moi, je te fais pas de mal, moi. Je te fais un test de spi. Là, il hésite, il a pas trop confiance, il me croit pas. Dites-lui, envoyez des messages, dites-lui que j'ai fait des longues années d'études. Ceux qui me connaissent et qui étaient dans ma classe, envoyez-moi un message. Dites-lui que j'ai fait 10 ans de médecine. 10 ans de médecine. 10 ans. Ouais, au collège déjà, en 6e, je faisais déjà de la médecine, moi. SVT et tout. Tu connais pas ça? Tu te dis quoi, t'as vu? Tu vois, tout le monde dit que j'étais premier de la classe. J'étais, voilà, il a vu les messages. Tout le monde dit que j'étais premier de la classe, j'étais médecin. Aujourd'hui, si je suis plus médecin, c'est parce que je me suis fait les croisés. Ça a gâché ma carrière de médecin, les croisés. Ça a gâché les croisés, ça a gâché ma carrière. Même le foot. Moi, je devais jouer au Real Madrid. Demande à qui tu veux ici, ils vont te dire je devais jouer au Real Madrid. Quand j'étais petit, j'avais 11 ans, je devais jouer au Real Madrid avec Benzema. Mais en fait, je me suis blessé avant d'aller au. Centre de formation, bam, blessure, croisée. Et après, je suis allé à l'école, j'ai continué l'école, et là, je suis devenu médecin, je me suis refait les croisés, ça a gâché ma carrière de médecin. Mais si t'étais médecin. Ça m'a blessé, j'étais blessé, je pouvais Mais rien faire. si, tu pourrais te rétablir vu que t'es médecin. Non, mais. Laisse tomber, c'est une grande histoire, c'est une longue histoire. Tu vas pas comprendre, ça me fait mal de parler de cette histoire. Fais-moi confiance. Moi, j'ai des connaissances, je t'ai dit. T'as confiance? T'as vu les gens ce qu'ils ont dit, t'as vu? Oui, Et mais. voilà, donc, n'aie pas peur. Là? Bouge pas. Toi, reste assis ici. Moi, je vais aller récupérer mon matériel pour te faire le test. C'est-à-dire, là, je vais te faire un test. Et demain, on aura une réponse pour savoir si t'es positif ou pas. C'est bon? J'ai peur. Arrête de stresser. Ouais, je t'ai pas confiance en moi, quoi. Mais si, mais je suis trop peur. Peur de quoi? Ça fait pas mal comme à l'hôpital. Hein. Oui, mais j'ai aussi peur d'avoir le corona. T'as peur? Bah, faut prévenir pour guérir, non? J'espère que Dieu va me guérir. Tu crois que Dieu va te guérir? Il est avec moi. Ok, bah ça va alors, on va faire le test. Donc tu vois, ça c'est l'échantillon, ça c'est ce que je vais devoir amener au laboratoire, tu vois. Je t'ai dit, j'ai des trucs de médecin, ça c'est là où on met les trucs dedans. C'est-à-dire là, le virus il peut pas sortir si tu l'as, il reste bloqué dedans, ok? On appelle ça une bobox, ok? Ça reste bloqué dedans. Alors, ensuite, ça, on a le. Ça c'est avec ça qu'on fait le test, ça c'est ce que je vais te mettre dans le nez, ok? Non mais attends, attends. Tu vas mettre ça dans mon Attends. nez? Mais c'est comme ça qu'on fait le test Covid. Attends 2 secondes. Mais Attends. c'est trop grand ça! C'est. Allô, tu sais. Non mais non, 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 Écoute, attends, non. Non mais tu vas pas mettre ça dans mon nez quand même! Écoute, à l'hôpital, ça fait 2 fois. C'est le plus Mais grand. pourquoi moi? Mais passe. Mais c'est comme ça qu'on fait le test. À l'hôpital, c'est 2 fois plus grand. Attends, je te montre des vidéos, moi j'ai déjà fait, moi. C'est 2 fois plus grand. Ça, t'inquiète. Mais c'est trop grand ça! Non, t'inquiète. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que les enfants ne reproduisaient pas ça chez vous, donc il faut être un médecin qualifié comme moi, donc avoir les connaissances pour pouvoir faire le test Covid à quelqu'un. Donc ne reproduisez pas ça chez vous, ça peut être très dangereux, il faut vraiment avoir les connaissances et les capacités pour le faire. Donc voilà. Donc je t'explique. Moi, je vais devoir baisser ta tête. Je te montre juste, par exemple, je vais te baisser la tête comme ça, et ça, je vais le rentrer dans ton nez. T'es fou toi? Non mais écoute. Mais ça c'est trop gros. Non, c'est pas gros. Mais si, ça c'est trop gros, ça c'est trop long. Écoute, non. Ça va toucher mon cœur, ça. Non, ça y est. Ton cœur, il est là et ton. Attends, ton cœur, il est ici. Comment ça va toucher ton cœur? T'inquiète! Parce que ça va rentrer dans mon nez et Oui. ça va tomber. Non, ça va pas tomber. Faut pas rigoler là, on peut se rater si tu rigoles. Fais-moi pas rire, s'il te plaît. Un médecin, ça doit être sérieux. Sois sérieux.
Je vais te le rentrer. T'inquiète. Attends, regarde. Baisse la... Attends. T'inquiète. Mais non, mais tu crois que t'as la piscine, tu tiens ton nez comme ça. T'es pas à la piscine, ça c'est... Mais attends. Non, mais je te montre, je vais pas le faire. Baisse ta tête. Voilà, comme ça. Attends. Pas, on passe pas là, t'inquiète. Voilà, juste, voilà, il va falloir que tu mettes ta tête comme ça. Et là, non, mais je vais pas rentrer. Je vais pas le rentrer, t'inquiète. Je vais pas, hey, je vais pas te mettre tout ça. Hein. Je vais te mettre genre la moitié, genre ça. Hein? Attends, non, mais. Mais c'est beaucoup ça. Hein? Mais qu'est-ce qui reste? T'inquiète, écoute-moi. Mais c'est pratiquement tout ça. Oui. T'es sûr? Oui. Et t'es prêt? Tu veux continuer? Oui. Tu veux le faire? Oui. Donc il est sûr, il veut le faire. Allez. Allez, t'es un bonhomme, t'en sortais pas une meuf. Allez. Attends, j'ai même pas commencé à rentrer. Où est-ce que c'est ça? J'ai rien fait. Touché. Mais attends, t'inquiète. Allez, baisse la tête. Non, je peux pas le faire. T'inquiète, c'est presque fini. Tu vois? Je peux pas le faire. Tu vois? C'est fini. Déjà? Ouais. Ah oh, bah en fait, bah, ça faisait pas si mal que ça. Et bah? Voilà. Et là, demain, je l'emmène au laboratoire. Et bah en fait, c'était facile. Maintenant, je suis en bonhomme. Le bonhomme de quoi? T'as flippé depuis tout à l'heure, wesh. Pas du tout, déjà. Donc le test, il est juste là. Demain, on va le ramener au laboratoire et on va avoir une réponse. Mais toi, qu'est-ce que t'as pensé? Alors, ça fait mal le test ou ça fait pas mal? Ça fait pas du tout mal. Vraiment pas. Donc, les gens, je suis un bon médecin ou pas? Bah oui, t'es un bon médecin. Vraiment, j'ai rien senti. Et pour voilà. Prendre donc, ça, je suis choqué. Hein. Tu dis, donc les gens, tu les conseilles d'aller à l'hôpital ou vers moi? À l'hôpital, ça fait mal. Bah ici, largement, vers toi. Voilà, donc dis-leur, je vous conseille le médecin Léry, c'est un bon médecin. Je vous conseille le médecin Léry, c'est un très bon médecin. Voilà, merci, c'est léger. Mais t'as eu peur ou t'as pas eu peur? J'ai même pas eu peur. Parce que j'ai un bon nom, je connais les bails. Oh, bonjour le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous explique, là je me suis levé, maux de gorge, la totale, bref, je me sens pas bien. Je crois que je suis tombé malade, il m'a rendu malade ce petit. Donc lui, il a l'air d'aller mieux, mais moi je commence à tomber malade. Donc d'ailleurs, par rapport au test qu'on a fait hier, donc le test qu'il a fait hier, on va voir le résultat dans 2 jours. Dans 2 jours, on va savoir si t'as le Covid ou pas, ok? Parce que, oui, les résultats, ça met 2 jours, vu qu'on était dimanche, ça met 2 jours. Et si j'ai le Covid, je vais mourir dans 2 jours? Donc là, ça veut dire que là, je vais devoir aller chez le médecin. Moi aussi, je vais devoir faire un test Covid, on sait jamais. Et toi, on attend le tien qui vient dans 2 jours. Tu rigoles, hein? Imagine, tu l'as. Ah, tu rigoles moins, là.